Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en retard d'ouverture Pokémon. Et ça fait trop plaisir de retourner sur mes 151. Je dis retourner parce que, ben, pour vous, c'est dans la continuité des vidéos que je poste. Mais moi, ben, ça fait un moment que je n'avais pas ouvert de 151. Parce que plein de choses, on va dire. Parce que la vie, parce que Noël, parce que forcément, quand je tourne cette vidéo, on est fin novembre. Donc, du coup, ben, les cadeaux de Noël, on est en plein dedans. Enfin, moi, en tout cas, je suis en plein dedans. Donc, du coup, bah voilà, il y a plein de choses à acheter, à penser, à découvrir. Et du coup, bah, pas de 151. Mais, du coup, il y a quand même du 151. En plus, je suis trop content parce que quand j'ai acheté le coffret et les mini-tins, j'ai pu avoir en même temps un support, on va dire, de display vide pour les mini-tins. Donc, je suis refait parce que bah, je n'en avais pas. Puisque bah, j'ai acheté mes mini-tins au pif à droite à gauche, donc du coup bah, c'est trop bien. Donc voilà, bref, toujours est-il que on va s'ouvrir tout ça. Là, j'ai pas envie de faire de cérémonie. On va s'ouvrir le Alakazam et les deux petites mini-tins. J'ai un insécateur et un petit macogneur. Voilà, parce que il me semblait que le. Je crois que c'est un plante qui en jeton qui était un petit peu scrabouille, donc je vais essayer d'en avoir un meilleur. Et puis parce que le Macogneur, voilà, de tous les Pokémon qui restaient, on va dire c'était le plus badass que j'aimais bien. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc bah, vu que ça fait du bruit et qu'il y a quand même pas mal à ouvrir, on se retrouve tout de suite. Transition. Et nous revoici une fois que tout est ouvert. Alors du coup j'ai fait mes petites piles. Du coup c'est donc les 4 boosters du coffret Alakazam. Nous avons les deux petits boosters de la mini-tin de Insécateur avec du coup mon petit jeton qui je trouve est quand même beaucoup moins scrabouille. Donc du coup c'est très cool, on prend. Et bien sûr la mini-tin Macogneur avec le petit jeton aussi. Donc voilà, c'est très très cool. Commençons. J'ai été quand même relativement chanceux avec le Alakazam. J'ai étouffé mon petit rituel de Abracadabra Alakazam, que je ne vous présente plus les promos, hein, je pense que je vous ai assez bassiné avec ça. Donc ouvrons ça tout de suite, j'espère que je vais avoir encore de la chance avec ces petits coffrets, ce serait trop bien. Oh, je suis trop content. Il m'en manque encore hein, des cartes 251 pour le Master Set, même des petites Reverse, donc on va voir ça tout de suite. Avec en Rhinocorne, un sac de Smogo, hop, Stick Crack, Krabos, mon Ronflex, que trop beau, Sablaireau, qui lui aussi est trop beau aussi. J'avoue que j'ai pas eu de God Pack aussi, si jamais ça peut tomber un jour, ce serait très bien. Nous avons la première reverse, ah bah Sablaide, juste après le Sablaireau. Ensuite, peut-être quelque chose, non, pas du tout, nous avons Topicœur, et enfin, oh, let's go, bah voilà, ça commence très bien, je suis chanceux avec le coffret à la Kazam, c'est trop bien, c'est qui, c'est quoi? Oh, le charisme de Giovanni en full art. Bon, elle est un petit peu cadrée avec le feu, mais est-ce qu'on s'en fout? Oui, moi personnellement, j'avoue, je m'en fous un peu. Bon, c'est vrai que je préfère quand même quand c'est un petit peu mieux cadré, hein, on va pas se mytho. Mais là, non, ça va, elle est quand même très très belle. Oh, ça commence très bien, une petite full art pour débuter. Alors par contre, où est-ce que je vais mettre ça? Attendez, hop, on va déplacer les pas qui sont juste là, voilà. Commençons. Ah, bah ça fait plaisir, en plus, ça c'est une full art que je n'ai pas. Donc c'est très très cool. Moi j'aime bien. Le Master Set se rapproche petit à petit. Donc c'est très très cool. Allez, continuons. Continuons, continuons. Allez, oups là. Le booster qui se casse tout seul. D'accord. Allez, putain. Alors bon, ça du coup, c'est pour vous quand même. Voilà, pour le déplacement, pour Giovanni, tout ça. Et mine de rien, j'avoue qu'avec tout ça, il me reste encore l'énergie électrique en foil. Je ne l'ai toujours pas, j'ai eu toutes les énergies en watt mille fois, sauf l'énergie électrique, je la veux. Donc il me reste encore tout ça à ouvrir, s'il vous plaît, donnez-la à moi. Piafabec, Chatefleur, petit Magikarp, Mystèrbe, encore le Ronflex, Sablaireau, j'ai pas ma manière de déjà vu. Ah, Nidorino, ça change un petit peu. Ensuite, bah, nous n'avons pas de God Pack, c'est quoi? Arcanin, qui est très très beau, très balèze, j'aime beaucoup. Nous avons ensuite le Charisme de Giovanni en normal. Et enfin, non, nous avons Ammonistar. Petit foil. C'est une énergie électrique, mais je la veux en foil. Bref, pardon, excusez-moi, je m'emballe. Ensuite, on peut pas gagner à tous les coups, mes bons enfants.
Bon, ça sonne quand même relativement, j'allais dire relativement bien. Point, point, point. Ah, c'est quoi ce booster de la muerte? Sincèrement, écoute-le. Mais il veut pas s'ouvrir. Mais il s'ouvre comme de la crotte. Et en plus de ça, il me fait schmutz. Dégage, merci. Alors. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Saint-Eustache, si tu passes dans le quartier, s'il te plaît. Ce bulle bizarre, oh le mini Draco, si tu peux me donner Dracolos en reverse, parce que mine de rien, je ne l'ai pas. Caninos, Racaillou, Machoper, très très beau. Lamentin-tin-tin. Un petit tignon, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve incroyable. Ensuite, la première reverse, c'est Roucarnage. Ensuite, nous avons Kikley, et enfin nous avons Macogneur. Bon, eh ben, pas grand chose, et c'est pas de foil non plus. Bon, eh ben c'est dommage. Allez, encore une. Bon, on a quand même une petite foulard déjà, mais sur le coffret, bon, c'est toujours ça, c'est une foulard que je n'ai pas. Donc bon, on se plaint pas, on se plaint pas. Mais c'est quoi ces boosters qui veulent pas s'ouvrir comme je veux? Et donc, c'est moi qui commande. Ensuite, disais-je. Le dernier du coffret Alakazam, je vais y arriver, Aspico, Nosferapti, Poissirène, Poissirène, Boostifleur, le Spectrum que je trouve incroyable, Lucky Clee Again, oh je crois que ça brille, oh mon dieu je crois que ça brille, j'espère que tu vas pas me troller, s'il te plaît, Carabaf, nous avons un Carapuce qui est trop beau, nous... oh Mangle, oh s'il te plaît dis-moi que c'est pas l'énergie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, oui. Excusez-moi, je vous ai complètement explosé vos oreilles encore une fois. Je suis désolé. C'est le Mew Gold qui tombe. Let's fucking go. Le Mew Gold. Oh, c'est incroyable. Merci, Madame de Cultura, qui m'a proposé un autre coffret. Parce que bah, celui que je prends d'habitude, forcément, il est avec l'espèce de gros antivol, là. Du coup, bah, ils nous le laissent pas, ils en prennent un autre. Oh, merci, Saint-Eustache. Et nous avons ensuite Kabutops, qu'on s'en fout. Petite foil non plus. Oh, mon Dieu. Oh, je la voulais trop. Oh, je la voulais trop. Oh, j'adore cette carte. Elle est trop belle. Oh, mon Dieu. Merci, Saint-Eustache, d'être passé par là. C'est Noël. Voilà, c'est Noël. Que dire de plus? Oh, c'est trop, trop bien. Oh, bah voilà. Coffret à la Kazam, une full art et le Mew Gold que je n'ai pas. Mais que demander de plus? C'est trop bien. Je suis encore désolé pour vos oreilles. Pardon. Si jamais vous avez des écouteurs, vous pouvez me maudire sur 50 générations. Je suis vraiment désolé. Mais je mettrai encore un disclaimer, comme d'habitude, pour vous dire attention, je suis hystérique. Ah mon dieu. Bon, bah du coup, on continue avec les mini-teens. Parce que oh, j'avoue que le Mew Gold, je le voulais absolument. C'est trop bien. Pardon. Donc on continue, disais-je, avec la mini-teen de Macogneur cette fois-ci. J'ai eu énormément de chance dans mes mini-teens. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo des mini-teens, allez la voir, elle est très cool. Là aussi, je crise aussi, hein. Je suis vraiment désolé, mais bon, je vous l'ai dit, j'ai tellement pas de chance dans mes ouvertures depuis le début. Bon, pas de chance, on s'entend, hein, parce que bah, j'arrive quand même à avoir quelques trucs par-ci par-là, mais jamais des très très grosses dingueries. Mais là, du coup, quand ça m'arrive, bah, j'avoue que je ne sais pas me contenir, je suis désolé. Donc, du coup, si jamais ça peut continuer à tomber. Allez, petit osselet. Un Goopix, un Magnéti, un Chalipan, un Grotadmor, j'aime beaucoup cette carte aussi. Aide de Nina, Aeromite. Nous avons la première river, c'est un Machoke. Ensuite, nous avons encore le charisme de Giovanni, décidément. Et enfin, non, c'est un Nidoking, petite foil. Oui, mais pas de celle que je veux. Crotte, cupouette. Bon, tant pis, ça reste quand même une petite foil. Ensuite. Le dernier, booster de la mini-teen, Macogneur. Ah, oh, je suis trop content. Oh, le Mew Gold, je le voulais tellement. Mais je le voulais tellement. Mew, ça fait partie de mes chouchous, hein. C'est mes Pokémon bichons, donc forcément, c'est trop bien. Ah, beau, Osselet. Encore mon petit Goopix, Dodio, Nidorina. Ratatak et invitation d'Erika, j'avoue que je n'ai pas ta foulard, toi non plus, si jamais tu peux venir. Ensuite, le Grotadmor, Van Reverse. Attendez, il y a toutes mes cartes qui sont en train de se faire la malle. Hop là, tout va bien.
Je ne sais jamais, c'est que c'est une reverse à chaque fois, elle est obscure, mais bon. Ensuite, nous avons Osselet, et enfin... Oh! Et c'est qui? C'est quoi? Le Fenard X! Oh, let's go! Je ne l'avais pas non plus! Oh, c'est trop bien, mais j'ai que des cartes que je n'ai pas, c'est incroyable! Le Master Set se rapproche! Petite foil? Non, pas petite foil. Oh, c'est trop bien! En plus, le Fenard, pareil, Fenard, Pokémon absolument incroyable, qui font partie aussi de mes chouchous. Oui, j'ai énormément de Pokémon chouchous, mais en même temps, que voulez-vous? C'est la première génération, donc forcément la nostalgie qui parle. Mais oh, le Fenard X, donc c'est trop bien. Certes, c'est que une petite ex, mais une petite ex que je n'ai pas, donc je suis très content. Ensuite, passons maintenant à la mini-tine de un sécateur. Vais-je avoir encore autant de chance? Ce serait bien, parce que bah, mine de rien, ça n'arrive pas à s'ouvrir. Oh, mais ça s'ouvre encore n'importe comment, mais dis donc. Mais c'est pas possible, ça. Bon, bah, il n'y en a aucun qui se sera ouvert correctement. C'est fin, si, quasi, mais bon. On s'entend. Allez, petite dernière minitine. On commence avec le Nidoran mâle. Un Abra, Topiaur, le petit soporifique, Rapace de pique, Onyx. Oh, le Draco, qu'il est incroyable. J'adore cette carte aussi, j'adore Draco, enfin vous le savez. Nidoqueen, donc c'est la Reverse. Ensuite, nous avons Staros en Reverse, je sais plus si jeté. Et enfin, un petit Electrode en holo et pas de foil derrière. Bon, tant pis. Le dernier, pardon, je vous donne un coup, c'est l'émotion. Dernier bousbousse. Dernier bousbousse de la mini-tine. C'est là-dessus où j'ai eu le Fenard X, donc tout peut arriver. Tout peut arriver, absolument. Petite dinguerie, s'il vous plaît. On a déjà eu de la dinguerie, mais bon, on n'a jamais assez de dinguerie dans nos vies. Il faut que ce soit Noël. Voilà, j'ai envie que ce soit Noël, donc s'il vous plaît. Carapuce. Exelang. Mimitos. Le Rookool. Machoppeur. Lamantine. Le Ténion. Ensuite, la première reverse, c'est un Salamèche qui est très mignon, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un Flagados. Et enfin, oui, on a encore quelque chose, et c'est le Elector X, petite feuille. Oh, merci, Saint-Eustache! Oui, je suis beaucoup plus content pour l'énergie foil que pour le Elector, je sais, mais en même temps, depuis le temps que j'ouvre des boosters 151, elle n'est jamais tombée. J'ai enfin toutes les énergies en foil. Ça fait plaisir. Oh mon dieu. Je vais vous mettre quand même derrière, voilà, avec le petit Elector X. Ah, bah écoutez, ça fait plaisir, voilà, j'ai eu absolument tout ce que je voulais dans chacun des items, voilà, que petit glow-up quand même pour le coffret Alakazam qui a absolument tout déchiré, Full Art et le Mewgold, oh mon dieu, il est trop beau, oui, je l'aime, je l'aime, voilà, je l'aime d'amour, c'est incroyable, le petit Fenard, le Elector que j'ai déjà, mais que c'est pas grave, je sais qu'il trouvera preneur et qu'il fera le bonheur de quelqu'un d'autre, mais c'est incroyable, j'aime beaucoup, merci Saint-Eustache. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Encore désolé pour vos oreilles. J'espère que la prochaine ouverture... bah si, en fait, j'ai envie que ce soit exactement pareil. Promis, je vais essayer de me contenir, mais c'est... Encore désolé, pardon. Mais bon, c'est l'émotion qui parle. C'est le Mewgold, comprenez-moi. Donc, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une prochaine ouverture. Passez une excellente journée, soirée, nuit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.